on les sentait hein, pour l'instant les Troyens, ils étaient en bonne situation. Et la tête du capitaine Rudico, elle est parfaite. Et il y a du monde dans la surface. Ah, la roue s'est bien tirée encore une fois. Ah oh, et l'égalisation de Mamadou Sarr. Oh, ça s'est bien joué, Yanis Laga dans le dos de la défense. Yanis Laga en 1 contre 1. Oh, quel arrêt. Attention parce que Mohamed El Harouche qui peut récupérer le ballon. Oh, et pénalty. Et donc Yanis Laga qui va s'élancer face à Hugo Boulet. Yanis Laga. Et c'est parfait. Et Mohamed El Harouche. Voilà, c'est tiré encore une fois. Brighton Fougueux. Le troisième but. Et monsieur l'arbitre qui siffle le coup de sifflet final. Bon, c'est normal que vous soyez déçus, bien sûr. C'est aussi des matchs qui vous font grandir. On se rapproche du haut niveau là. On se rapproche des matchs difficiles, des matchs où il y a les émotions, tout ça. Moi je tenais à vous féliciter pour le parcours. Okay, c'est pas rien, il faut déjà arriver là. Je voulais aussi vous remercier pour le parcours, parce que des parcours comme ça, on en vit un peu, mais je remarque depuis que je suis président. C'est la deuxième fois qu'on en vit un magnifique, grâce à vous, hein, grâce à vous tous. Alors j'ai envie de dire, relevez la tête. On doit faire plus. On doit faire plus. On doit mettre encore plus d'abnégation. Je vous ai dit, c'est une demi-finale. On devait tous finir pliés. Non, c'est des petits détails au jour le jour. Vous nous avez fait vivre des super émotions, aux supporters, au staff. Soyez fiers quand même de votre parcours.